मकाहन्य हरमित शिंग्यो कंची जाइबो साग्यो जिन्हन्याहारामेताजी शोकन गोन काय कुडो इसाय कु यक्षारी शिशिक हुई कु Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien sur Lama Kunzang et j'aimerais vous inviter le dimanche 5 mai à un événement un petit peu particulier. Je donnerai une initiation spirituelle et de Tummo Sorlong en ligne. Qu'est-ce que c'est le Tummo? C'est une technique traditionnelle qui permet de travailler au Tibet sur les flux intérieurs, les flux psycho-subtils intérieurs. On appelle ça le Khlong au Tibet, ou le Prana en Inde, c'est le Ki au Japon, ou le Chi en Chine. Eh ouais. Chez les Égyptiens, c'était le Ka, et c'était sans doute le Phrenos. Chez les Grecs, ou Espiritus, chez les latin. Donc on va travailler sur notre esprit intérieur, pas au sens cartésien, au sens traditionnel. On va voir comment ça tourne à l'intérieur de nous et on va agir sur ce tournoiement intérieur. Tummo, ça veut dire qu'on a la capacité de le réchauffer, de le refroidir. C'est une technique un petit peu particulière de méditation. Srog, c'est à proprement parler l'esprit de vie, l'esprit de la vie. Ça ressemble beaucoup au Reiki, d'ailleurs je me suis beaucoup inspiré du, j'ai pratiqué 30 ans le Reiki de Mikao Shui, le traditionnel du Japon et pas le New Age. Je suis un des, Corinne Bouty a créé l'école Ushui Reikido de Bordeaux. J'ai un certain nombre d'étudiants en France, j'ai beaucoup collaboré avec Corinne pour créer son école, elle a créé et je l'ai aidé pour son école entre terre et ciel à Bordeaux, c'est une excellente praticienne de Reiki en France, c'est une des plus anciennes, je suis un des trois plus anciens pratiquants, je suis un des trois plus anciens pratiquants et un des cinq plus anciens enseignants de Reiki en France. Donc ça fait une trentaine d'années maintenant en ce qui me concerne. Eh bien, le Tummo, c'est la version tibétaine. Donc, on a gardé le meilleur du Reiki japonais, sans entrer dans trop de complications, les principes de base du bouddhisme tibétain, et c'est devenu le Sorlong, Tummo Sorlong. Donc, je vous invite à cette initiation. Je vous donne une initiation de premier degré. C'est aussi une initiation spirituelle. Et elle aura lieu le dimanche 5 mai. On le fera en ligne. On va vous apprendre les principes de base de cette technique. Un petit historique pour vous expliquer l'historique de la médecine tibétaine et de la médecine japonaise et la place du Reiki au Japon dans la médecine japonaise, puisqu'elle a été officialisée par le ministère de la Santé, intégrée dans les universités de médecine, intégrée dans des hôpitaux et même utilisée comme technique de premier soin par la marine japonaise avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous apprendrai aussi les postures de base. C'est la première fois que je le fais. J'ai fait plusieurs fois à distance. C'est la première fois que je le ferai en ligne. Donc, c'est réservé à 25 personnes. Il faut vous inscrire au numéro que vous avez en dessous dans la description de la vidéo. Il y a déjà une dizaine, quinzaine de places même qui sont prises. Donc, il reste encore une dizaine de places. Le 28 avril, nous avons un cours de gnose universelle et de gnose comparée, gnose bouddhiste et gnose chrétienne. Donc si vous êtes intéressé par ces techniques comme le Reiki, le Sorlong, la médecine tibétaine, ayurvédique, la médecine chinoise, et si vous voulez comprendre exactement comment ça se passe au niveau conceptuel, ben prenez ce cours parce qu'il va véritablement vous donner les bases pour comprendre comment ça fonctionne dans l'être humain, comment ça fonctionne dans le ciel, comment ça fonctionne entre les deux, le macrocosme et le microcosme, et entre les deux, eh bien comment on peut faire jouer notre volonté pour avoir une expérience de vie de bonne qualité et de ne pas rester sous l'emprise des samskaras, c'est-à-dire ce que le New Age appelle le karma, on appelle ça les samskaras, c'est-à-dire les conditionnements latents qui font qu'au lieu d'avoir une expérience Bouddha de notre vie, on a une expérience de notre ego.
Alors l'ego, ça sert au quotidien, ça permet de survivre, mais c'est pas, ça va bien en situation de stress ou en situation de spécialisation, mais en situation générale, il faut se défaire de l'ego. Donc l'ego est utilisé, il ne doit pas être détruit. Quand les gens vous disent qu'ils n'ont pas d'ego, ça me fait toujours très bien rire. Et j'en profiterai aussi pour vous donner toutes les notions conceptuelles dont vous aurez besoin pour vous repérer dans la spiritualité chrétienne et dans la spiritualité bouddhique. On le fera à partir d'un vocabulaire sanskrit très simple et vous recevrez gratuitement le 13e tome de mon encyclopédie du Reiki, qui est un lexique des termes qui vous seront utiles dans le domaine de la spiritualité pour comprendre les traditions orientales, extrême-orientales, et mieux comprendre la tradition chrétienne qui puise à la même source, la source dure, bien connue pour ses œufs. Voilà, j'adore la faire celle-là. Donc on se retrouve le 28 avril et le 5 mai pour deux initiations et des enseignements. Un des cours est payant, c'est le cours de Tummo Sorlong. C'est fait, le cours de Tummo Sorlong est gratuit et il est fait à votre bénéfice. Le cours de Gnose Bouddhique, il est aussi et chrétienne comparée à Gnose Universelle, est aussi à votre service, mais il sert à financer les activités de réinstallation de notre temple à Brasilia, et puis d'aider aussi les personnes qui sont autour de nous, en particulier les Indiens Patachos. Voilà, on vous les présentera la semaine prochaine. Ils sont à Brasilia en grand déplacement et on ira faire un peu de reporting pour vous montrer où en sont nos amis. À très bientôt. Ciao. かはんにゃはらみたしんぎょう漢字財宝作業時はんにゃはらみた辞書シャリ四式不意空不意式式即是空空即是式重尊業式役部上是シャリ四是小不相不小不滅不空不上不増不減是空中不式不重尊業式無限に微絶身に無色小公未足法無限界大師無意識界無無明薬無無明人大師無老師薬無老師人無空襲滅度無知薬無得意無小特攻防大殺多へ般若波羅蜜多行進無軽減軽減公務不空不穏に一切天道無足行へ反三で小仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三脈三菩提高知般若波羅蜜多是大辞修是大妙修是無上修是無等道修道上一切苦真実不高高説般若波羅蜜多修即説修圧逆転逆転波羅逆転波羅僧逆転墓地粗悪化般若心行悪化般若波羅蜜多心行漢字財宝作業人般若波羅蜜多
た地上権を恩海空道一切空役者利子式不意空不意式式即税空空即税式重尊業式役無尿税者利子税小北空総不小不別不空不上不増不減税空中無式無重尊業式無限に微絶身に無式小公未即法無限界内し無意識皆無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦種滅の無知薬無得意無所得公母大殺多恵般若波羅蜜多行深無懸懸無懸懸公無不不恩に一切天の無足余念半三で小仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多是大智是是大妙是是無上是是無等の是無上一切真実不可公説般若波羅蜜多終息節終圧やてやて波羅やて波羅僧やて母地粗悪化般若心ございます。マカハニヤハラミタシンギョカンジザイボサギョジンハニヤハラミタジショケンゴンカイクドイサイク役者利子式不意空不意式式即税空空即税式重尊業式役不尿税者利子税小北総不小不滅不空不超不増不減税国中無式無重尊業式無限に微税真に無式小公未即法無限界内し無意識皆無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦種滅老無知薬無得意無所得公母大沙汰へ般若波羅蜜多行深無懸懸無懸懸公無ゆく不恩に一切天道無足余念半三世小仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多是大人是是大妙是是無上是是無等の是の上一切苦真実不可公説般若波羅蜜多是即説是圧やてやて波羅